Bonjour et bienvenue sur la classe inversée de Madame André. Aujourd'hui, nous faisons une synthèse sur le passé simple. Souvenez-vous, nous avions vu que les verbes en ER, c'est-à-dire tous les verbes du premier groupe et aller, faisaient leur passé simple en A. Et je retiens que seuls les verbes en ER peuvent faire leur passé simple en A. Nous avions vu les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe qui faisaient leur passé simple en I. Et enfin, nous avions vu pour les verbes du troisième groupe qu'il pouvait aussi y avoir le passé simple en U ou le passé simple en IN. Donc je retiens pour le premier groupe, c'est A, ça donne AI, AS, A, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, E accent grave RENT. Pour les verbes du deuxième groupe, ça donne donc I, IS, IS, IT, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, IRENT. Pour les verbes du troisième groupe, ce sera donc soit en I, comme les verbes du deuxième groupe, soit en U, soit en IN. Voilà tout ce qu'il faut retenir. J'espère que maintenant le passé simple est devenu plus simple pour vous. Et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois les vidéos pour bien comprendre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte en vidéo.